palabra y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? What's up les gens, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est Sébastien. C'est un peu de la merde comment je dis bonjour. Bref, j'espère que vous êtes tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur FIFA, FIFA 16. Ouais en vrai, Ouais donc du coup je suis monté niveau division 8, bon c'est rien, c'est que je joue pas souvent franchement sans déconner, je vais pas vous mentir, je joue pas souvent. Il met des buts genre là, avec la dernière passe là devant le gardien et ça, ça m'énerve. Du coup c'est pour ça que je me suis mangé un carton rouge pour Clichy. Je vous explique ça le temps qu'on cherche un adversaire, hein, tranquille. C'est un petit peu long quand même. Tiens j'ai fait un petit snap de ma bite. Ok. Mais non je rigole. Le zoom chez iPhone ça marche pas. Oh shit, oh shit. Cette connexion... Même un paysan il a la meilleure connexion que moi quoi. Oh ça me tue. Hashtag connexion de bouseux. Je savais que j'aurais dû aller chez Orange. En étant roux mon pote tu vas chez Orange t'as des réductions directes. Non comme un con j'ai voulu choisir Bouygues. Je vais sûrement passer avec partenaire avec Orange. Hein. Je pense qu'il y a une petite cohérence qui devrait se faire, un petit feeling. Ils vont comprendre, je les comprendrai. S'ils me disent non, je comprends pas. Je leur dirai, mais attendez. J'ai de l'energy drink. Vous savez, l'energy drink pas cher là. Tu sais, la truc, la sous-marque en bouteille de 75. J'ai juré. Ça fait je sais pas longtemps qu'il y a dans ma chambre, on dirait de la pisse. C'est dégueulasse. Le truc c'est jaunâtre. Hey, j'ai juré, c'est trop long. Oh ça me gave. C'est un truc de porc mais... J'ai envie de chier. Ah mmh. Faire caca. Mmh, le caca c'est délicieux. Mmh, le caca c'est délicieux. Oh. Bon, du coup j'ai pas trouvé d'adversaire. Donc on va passer une division 9 en solo, hein. Parce que c'est pas le tout, mais moi j'ai pas que ça à faire, je vais pas attendre 15 ans. Alors on va faire un petit match. Je vous préviens, même contre les... Comment ça s'appelle? Les bots, je suis une quéquette, hein. Oh non! Oh la loose! Oh non, c'est pas possible, il est de retour, ce fameux poteau. Il est de retour. Sako. Ah non, Sanya. Oh. 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 J'ai juré. C'est chaud. J'arrive pas à jouer. Mais non, j'ai juré, c'est moi qui tombe, c'est lui qui a faute. C'est lui qui a faute. C'est lui qui a faute. Ah d'accord. Le pire c'est que je tente rien du tout en fait. C'est ça. Peut-être que j'essaye de tenter des trucs en fait. Je pense. Enfin je sais pas. Enfin peut-être. Enfin je sais pas, hein. Enfin peut-être. Arrêtez votre... Non mais je peux pas faire ça. Ça c'est interdit ça. Ça c'est interdit. Je ne peux pas perdre. Surtout contre Reims. Reims. C'est Reims. Oui. J'ai aucun mérite. Aucun mérite, je le sais. C'est pour ça que je vais mettre plus de buts. J'ai aucun mérite. Mais ils ont fait pipi dans votre tête ou quoi là? Allez Benteke, on sait que t'es pas rapide. Wesh mais ça c'est cheaté ça. Ça c'est cheaté hein, je savais pas qu'une seule botte n'était blanc. Bordeu. Putain. Le noir. Excusez-moi, Benteke. Oh shit, oh shit. Ça marche pas. Je sais qu'il faut faire croix pour rester dessus mais j'aime pas ça. Je trouve que c'est tricher de rester avec un joueur sur croix, tu vois. Faire une défense, tu en as, ils sont comme ça, ils s'appuient à fond sur croix. Ils sont devant toi et sur L1 pour faire avancer un autre joueur, tu vois. Ils arrivent, ils sont à fond comme ça, comme ça, comme ça.
Non, franchement, frère, tu joues comme ça, tu joues pas. C'est comme si tu jouais, par exemple, je sais pas moi, à WRC par exemple, le nouveau là, j'ai essayé, avec les aides pour freiner et tout, tu vois. Ou comme si tu étais au bowling avec les barres sur les côtés, tu vois. Ça, c'est encore pire ça. Emmène jamais ta meuf au bowling si tu joues avec les barres sur le côté, gros. Jamais. Parce que là, t'es plus un bonhomme là, tu perds toutes tes couilles. Mais il me tient, mais monsieur l'arbitre, fais ton travail un peu, ouvre les yeux, putain de merde, j'ai l'impression que tu joues en D5 là. Vas-y, je vais te niquer. T'as écrit quoi? Je m'appelais genre Jean-Francis Nkoudou. Je sais pas pourquoi je dis ça. Excusez-moi pour tous les fans de Nkoudou. Je m'excuse auprès de toute la communauté Nkoudienne. Voilà, ce n'était pas mon but. Je n'ai pas voulu vous enfoncer. Bon, après tout, j'ai envie de te dire, on va faire un petit peu de changement. Oh, ça c'était joli ça. Jaloué. Jaloué. Dempey. Bon, je sais, y'a aucun mérite de gagner à 5-1 contre le stade de Reims. Contre des bots. Bon, les bots sont niveau pro quand même. Mais voilà. Y'a rien. Y'a semi-pro, je sais pas. Semi-pro ou semi-pro, je m'en bats les couilles. En tout cas, ils sont pas amicales ni débutants, ça c'est sûr. Parce que j'aurais mis beaucoup plus de buts et je me serais pas mangé de buts. Voilà, y'a aucun mérite. Mais j'ai vraiment la flemme de retourner en ligne, sachant que je trouve personne. Et je pense que la vidéo a assez de contenu comme ça. Si t'es pas d'accord, regarde, j'ai gagné des pièces. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, franchement, ça me fait un grave plaisir de faire des vidéos comme ça. Même si pour l'instant, il y a vraiment très peu de retours. Mais le peu de retours qu'il y a, franchement, je vous remercie du fond du cœur. Ils sont vraiment... C'est pas forcément en commentaire, dans l'espace commentaire. Je vois que vous êtes pas très actifs. Ceux qui sont actifs, merci déjà énormément. En like, vous êtes présent déjà, c'est pas mal, parce que pour un youtubeur qui a 50 abonnés, qui fait 50, 60 vues, avoir 11 likes, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vois qu'il y a un retour, mon nom, généralement quand je pars sur des lives, vous fait rire et vous rappelle quelque chose sur certains, parce qu'il y a des personnes qui sont abonnées parce que je suis venu sur leur live ou des trucs comme ça. Et franchement, je suis content de cette nouvelle aventure, ça commence bien. J'espère un jour atteindre mon objectif, on est quand même là pour ça, faut pas oublier qu'il y a un objectif derrière. Mais je vous avoue prendre de plus en plus de plaisir à faire mes montages. Mon imagination est certes comme celle de tous les autres youtubeurs. J'essaye pas de faire un copier-coller des autres youtubeurs, mais je m'inspire beaucoup des montages. C'est très dur au jour d'aujourd'hui, en 2016. Oui, même si voilà, ça fait que le début 2016. C'est très dur au jour d'aujourd'hui de faire quelque chose de nouveau. Il y en a, ils y arrivent et franchement, ça se voit, ils montent, ils évoluent, c'est extraordinaire et franchement, je les félicite énormément. Mais c'est vrai que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment les capacités pour faire quelque chose de vraiment neuf, de quelque chose de qui a jamais été fait. J'ai pas l'imagination nécessaire ou alors ça serait vraiment de la merde. Du coup, je fais juste ce que j'aime, ce qui me fait rire. Après, voilà, c'est quand même le principal sur YouTube, c'est de faire ce qui nous fait rire. Pas faire ça pour les autres, mais faire ça pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que dans une vidéo, tu vas pas dire bonjour à toi-même, tu vois, tu vas pas te faire « Salut Sébastien, ça va? J'espère que cette vidéo va te faire plaisir. » Non, tu vois. Donc voilà, ce petit message à la fin, juste pour vous dire que voilà, c'est un kiff avant tout. Et j'espère que vous l'avez compris et que vous l'oublierez pas. C'était tout pour moi, j'espère que vous allez tous très bien. Ça, c'est le début d'une vidéo, c'est pas grave, je vous dis à très bientôt. C'était Sébastien, bisous. Mouah.